Salut tout le monde, c'est Whoopidos et aujourd'hui on se retrouve pour une map d'horreur. Je vous cache pas, j'ai hésité à mettre ma facecam. Mais voilà, je pense que pour Minecraft, la facecam c'est pas le plus adapté. Alors attendez une minute, c'est une map qui se nomme The Asylum, created by Sunfury. Donc elle a été créée par Sunfury. Là il y a les liens utiles, sauf que moi, étant donné que je suis intelligent, regardez ce que je fais. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Vous n'avez rien vu, c'est normal. Car j'ai besoin en fait de voir le petit scénar. Alors attendez, clic droit pour commencer je crois. Ah non, même pas, c'est même pas ça. Alors attendez une minute que je me repère. D'accord. C'était quoi ça? Oh putain, je la sens mal les gars. Attendez, je vais augmenter le son, sinon je vais pas réussir à sursauter. Start. Alors on commence. Mon mode de jeu. C'est bon, il y avait une lumière là. What the fuck? Oh les gars, c'est juste super bien fait. Excellent. What happened? Darn it. My phone's out. I need to find some help somehow. Oh mais c'est excellent. Notre perso il parle. Oh mais les gars. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, d'accord. Putain, mais je suis sur le cul là. What the fuck? Et moi qui me disais, tiens, je vais peut-être rajouter des bruits de montage, je vais juste faire une petite intro s'il faut. Oula. J'ai cru que mon jeu avait crash, c'est pas grave. Chartham Asylum. There should be someone there that can help. Oh les gars, ça fait bizarre de me dire que mon perso, bah c'est pas moi qui joue le jeu d'acteur. Happy Halloween. D'accord, et nous on est où sur cette carte? Oh, vous savez quoi, laissez tomber. Putain, mais c'est excellent, ils ont codé la... Groundskeeper. Non, mais nous c'est pas Groundskeeper qu'on va aller, non? Mais voilà, nous c'est à l'Asylum. Alors attendez, puisque je joue sur grand, finalement j'ai joué sur grand écran. Chapeau à celui qui a fait la map. Il est anglais malheureusement. Dommage, parce que Fatalité sur la dernière map aventure, il y a eu les créateurs de la map Alone qui sont venus me dire merci. J'aurais jamais cru pouvoir... Putain, excellent. Sachez aussi, c'est ma première map horreur dans Minecraft. Hein. Je sais pas ce que ça peut donner. J'ai déjà vu 2-3 vidéos, notamment de GusDI sur ces maps, mais... I can't see anything. I need to find a light. T'as besoin de trouver une lumière et tu ne vois rien, d'accord. LOL. Excellent. Attendez. Ah non. Ah d'accord, les filles s'enlèvent si on met personal sector. Non, on peut pas. Très bien. Les mecs. C'est excellent. Ah, c'est un disque. Moi, je vais pas vous mentir, je croyais que c'était une clé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là? Non.
Alors là, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut ouvrir cette porte. C'est problématique. J'ai énormément de mal à voir ce qu'il faut faire. Oh putain, mais hey, j'avais pas testé tout à l'heure. Generator Room Restricted Area. Très bien, dommage que je suis une quiche en anglais. C'est quoi là? Huh. I wonder what's behind that door. Ah. Putain, on voit du sang par terre, les mecs. Ah, attendez. Quelque chose me dit. Faut peut-être monter en haut. C'est pas normal. Regardez, il dit qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Il me semble qu'il a dit ça. Behind the door, j'ai entendu. Qu'est-ce qui s'est passé derrière cette porte? Alors les mecs, on va aller en haut. Putain, elle est excellente, excellente. C'est quoi ça? Putain! Putain de sa mère! Oh putain! Oh! Oh les gars! Moi je me disais, bon, ça va être juste les petits bruits de merde de Minecraft. Oh putain! Qu'est-ce qui s'est passé là? Emergent sign. Door unlocking. What? Ah d'accord. J'avais pas vu ça. C'est pas ça là tout à l'heure. C'est quoi ça? On peut pas ramasser le livre? Attendez, je passe le son. Oh putain, les gars, je descends. Allez. This library is my sole chapeau. It's only place I can think clearly. Yes, I need to break my legs. They are far too long. They need to spill off. J'ai besoin de tuer ma soeur, je crois. Elle est bien Nothing Girl. Putain, ça fait chier que je suis une quiche en anglais. Oh putain. Hein? Non, comment on fait? Comment on fait?
What the? Mais mec, je suis en flip là. Hein? Putain, les mecs, j'ai trop peur de me retourner, mais ils se sont gavés, les gens. Oh, d'accord, je vais pas là-bas, hein, je m'en fous. Non, mais putain. Oh, dommage que je filme pas ma réaction. J'ai hésité à mettre ma facecam. Une clé. J'ai pas envie de... What? D'accord. Oh, une autre clé. On prend tout, hein, on sait jamais. D'accord. Alors les gens, qu'est-ce qu'il faut... Je vais pas aller dans cette salle encore. The chef will cut off my toes. My toes, je sais pas c'est quoi. Putain, le chef voudrait... couper et je sais pas quoi. Très bien. Il y avait une porte à ouvrir tout à l'heure. Oh, me dites pas que ça va être comme dans Metal Gear Solid, là, vous savez, les passages casse-couilles parce que... Non, je pense qu'il faut retourner là-bas. Mais où est-ce qu'il faut aller? Je me souviens que l'autre il avait dit qu'y a-t-il derrière cette porte ou un truc comme ça, que s'est-il passé derrière cette porte? Maintenant, ce serait bien qu'on ait un autre indice. À moins que ça se passe encore là. Non, non, ça se passe plus là. Laissez tomber. Peut-être que j'ai pas fait toutes les... Putain, j'ai ma mémoire qui flanche. Est-ce que je les ai tous fait les... Ah non. I can do it. Je ne peux pas le faire. En plus, I only have one finger left. But the chef tell me. Je ne veux pas que John vienne. John est un mauvais gars. Bon. Bordel de merde. Faudra que je vois sur Google Traduction. Pourquoi j'ai l'impression que c'est plus sombre? Et on revient au point de départ. On peut rien crafter, hein? Non, non, on peut pas crafter, faut pas déconner. Ouais, bon. Que... C'est quoi ça? Ok. Non, on peut rien brûler, faut pas déconner non plus. Non. Et y a rien. Bon, les gens, on va essayer, on va tenter de revoir la porte là où il avait dit que s'est-il passé. Je me disais peut-être qu'il y a les trucs de tableau là.
Ce livre, bah en fait, ce livre, on sait pas pourquoi il est là. Putain, elle me fait flipper cette touc, touc, touc. Moi aussi, je peux le faire. Très bien, y a rien. Y a rien! Celle-là, j'avais testé, ça avait pas marché. Non, il n'y a rien. Pourtant, j'ai l'impression que c'est là hein, qu'il faut passer. Hein. Il n'y a vraiment pas moyen de... Eh non. Ah! Ouais. Ok, c'est bon. C'est confirmé, c'est là. Ah, mais attendez, ça doit être un système de... Oh là là, les gens, vous savez pourquoi je me suis retourné comme ça? C'est parce que j'ai peur qu'il y ait un screamer là. Médical. Alors là, c'est l'endroit. L'endroit médical. Oh putain, les gens! Comment vous dire qu'il n'y a rien dans cet endroit? Mais à chaque fois, il y a un bruit de flingue. Il y a le bruit de flingue de Flan Mode. Alors là, ça va activer des screamers, je pense. Ah, patient 287. Âge 34 ans. C'est un mâle. Il est. Son nom, c'est. On ne sait pas. Le patient a besoin de communiquer avec son ami imaginaire. Le sujet a un temps dur de compréhension. Vraiment, et refuse d'interagir avec les autres humains. Très bien. Bon, pour une fois, je crois que j'ai pas fait trop gâteau. Ouais, y a rien, encore une fois. Alors là, le patient secteur 0, y a rien, encore une fois aussi. Mais j'ai du mal à chercher, je pense qu'il doit y avoir quelque chose quand même. Ah, d'accord. The manager ne voulait le manager ne voulait pas jouer à ce jeu. D'accord, donc là en fait c'est un mec qui est trippé. Putain, elle est énorme la map. Are you ready to play your game? Ouais, je suis prêt à jouer au jeu. Putain, les mecs. Putain. Oh putain, ça sent le screamer! Putain de sa mère! D'accord. D'accord. On va... Ouais. On va plutôt éviter cet endroit, j'ai envie de dire. Putain de merde. Oh là 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 là. Et je me perds là. Hein. Enfin, c'est le but du...
Putain. Et je suis revenu au même endroit de départ. Le truc, c'est que j'ai pas envie de faire les autres trucs, quoi. Je m'attends. Ah, mais je suis pas allé au fond. Je suis pas allé tout à tout là. D'accord, si, c'est ok. Le problème, c'est que j'ai peur que le truc il soit pas enclenché en fait. Parce que regardez, on dirait bien que c'est la fin là pourtant. Ah là 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 là. Et ouais, hein, il n'y a que cet endroit. Eh, vous voulez qu'on fasse quoi, eh? Eh, ils sont beaux. Je suis quasiment sûr qu'en fait, c'est un screamer qui s'est pas enclenché. Suivez le sang. Et vous allez trouver. Ouais, bah écoutez, c'est bon. Ah, mais d'accord, on peut plus ressortir. C'est quoi là? Ah! Oh. Putain, je me barre. Ok. Ok, c'est bon. Je peux me dire que j'ai réussi. Je suis plus dans le même endroit, si. Ah si. Oh là 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 là. Bon, les gens. Écoutez, oh d'accord, on voit le secret du truc. Bon, les gens, on va s'en arrêter là. Je pense que je vais faire une deuxième partie de ce truc. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. La deuxième partie se fera en facecam, je pense. En attendant, cette map, elle est énorme. C'est la plus grosse map que j'ai jamais vue en jeu d'horreur. Pourtant, je suis un fan de jeu d'horreur, hein. De base, je voulais faire ma chaîne Minecraft et jeu d'horreur, justement. Allez, bref, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine. Tchuss!